Et donc là, les amis, on arrive dans la chambre de l'artiste, qui est également en bordel, mais je pense que c'est peut-être la pièce la mieux rangée du lieu, avec le salon et le séjour. Vous voyez, on a encore le lit qui est fait, un peu en désordre, hein, avec tout le mobilier. Énormément, énormément de choses encore. Beaucoup de lectures. Et alors on voit qu'on est vraiment dans les années 80 avec la moquette murale sur les murs, recouverte de toiles d'araignées et même de crottes de souris. Regardez les portraits hyper flippants au-dessus du lit. On voit crucifix en bois avec un tableau assez glauque, je dois le dire. Énormément, énormément de merde d'entassée. Beaucoup de lectures. C'est assez dingue de tomber sur ce type de lieu où vraiment tout est resté là, quoi. Allez, on va poursuivre la visite. Et là, donc là, on arrive dans le séjour qui est à peu près resté rangé, enfin façon de parler quoi, parce que c'est quand même toujours un joyeux bordel. Le mec, il collectionnait vraiment de tout et n'importe quoi. C'est une brocante quoi. Si ça se trouve, c'était un brocanteur. Hein. Non, je pense pas. Tu crois pas ? Quelqu'un qui vraiment aimait sa maison, aimait l'art. Et puis qui aimait l'art, ouais, qui était très passionné d'art, ouais. Je pense qu'il aimait beaucoup sa maison. Le frigo est encore plein. C'est pas vrai. T'as plein de trucs. Sérieux ? Même les pâtes, elles ont pourri. Mais regardez ça, c'est juste impressionnant. Beaucoup de sculptures, tu vois ? Beaucoup de bibelots, de toiles. On a vraiment un beau panaché d'objets, quoi. Ouais. Puis de toutes les origines différentes. Ouais, c'est ça. Ce qui est sûr, le mec, c'était vraiment un gros passionné, quoi. On a du romain, du grec, de l'africain. Ouais, j'ai vu, il y a vraiment tous les styles, quoi. L'horloge. Et toi, faire en bouteille, moi j'adore. Ouais. Ouais, c'est dingue quand même. On a même la tour Eiffel. J'en laisse pas une miette. Je profite de... C'est pas tous les jours qu'on tombe dans une maison comme celle-ci. Bon, je vous l'accorde, elle est vraiment en bordel. Il y a un barouf de dingue. Mais il y a tellement, tellement de choses à voir. Voilà. De toute façon, il y en a partout, quoi. Là, on va aller au niveau de la cuisine. C'est vraiment la cuisine de campagne à l'ancienne, quoi. Avec le strict minimum.
On voit déjà que l'électroménager est pas tout jeune. Hein. Regardez cette sculpture égyptienne. Ah oui, apparemment, il y avait une grosse collection de God Michet, de sex toys. Voilà, on voit que tout est vraiment retourné. Et là, on se dirige au niveau de l'étage. On voit, regardez, que c'est vraiment recouvert de toiles d'araignée. Et vous l'avez vu en arrivant, de végétation. Là, je sais pas ce que c'est. Là, on voit une sorte de cave. Oh là là, il y en a partout. C'est pas possible, le mec était brocanteur, quoi. Voilà, il y en a partout. Il y en a absolument partout. On en parlait tout à l'heure. C'est fou, c'est dingue. Alors ça par contre, sans commentaire. Comme on dit qu'il y avait vraiment tous les styles tout à l'heure, voilà. Regardez, il y en a partout. Vous voyez un buste. Waouh. C'est dingue. Pour les amateurs d'art qui regardent la vidéo, j'imagine que vous prenez un pied monstre. Voilà, on a un vieil orgue. Énormément de toiles un peu partout. Hein. Voilà. Oups, pardon, je marche sur un truc. Une planche. Waouh. C'est la caserne d'Ali Baba. Bon. Là, on se regardait plein de fauteuils. De toiles. Vraiment, il y a plein de choses ici. Bon, et là, les amis, j'accède au premier étage de la maison. Donc on va voir ce qu'on va découvrir tout de suite.
Couloir. Bon là, pièce en bordel. Rien d'intéressant. Bon, les toilettes. Là, salle de bain en bordel, rien d'intéressant. Ouais. Là, éventuellement, cette pièce. Ça retourne de partout. Ouais, grave. C'est triste, hein. Ouais. Je sais pas, tu vois, les gens, ils peuvent explorer sans, sans tout retourner, quoi. Enfin bon, j'imagine que c'est pas des explorateurs. Ou alors c'est des explorateurs qui ne sont pas des explorateurs. Regardez ça. Ça, c'est dingue. Et là, j'arrive dans une pièce où, en fait, il y a énormément encore d'œuvres d'art. Beaucoup de... Voilà, beaucoup de tableaux, hein. Énormément de tableaux, énormément de catalogues un peu coquins. Hein, on va censurer tout ça. Regardez, des toiles partout, partout, partout. Regardez, on voit hein, vraiment que la maison est recouverte partout, partout, partout de végétation. Bon ben... Et voilà les amis, fin de la visite de cette incroyable maison. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo avec vos amis, à également nous rejoindre sur Instagram, Facebook, Snapchat et TikTok. On vous met les liens en description de la vidéo et le lien également du poteau Jordan Périgaud accompagné de Enzo pour cette exploration. Merci à tous, à bientôt. Ciao. Notre contenu vous plaît, pensez à vous abonner et activer la petite cloche.